bonjour, hein. Et il cogne mieux pour commencer ses favoris de dimanche matin que de commencer par une recette de petit déjeuner un peu tranquille, parce que probablement que vous regardez cette vidéo devant votre petit déjeuner si vous le regardez au moment où elle sort. Pour ce premier favori, j'avais très envie de vous parler des flocons de châtaigne toastés. Ce truc est littéralement une tuerie. C'est extrêmement bon, c'est presque sucré, c'est hyper fruité. Moi, j'adore la châtaigne de base, donc je ne pouvais qu'apprécier les flocons de châtaigne toastés. Je m'en sers principalement en porridge, donc on va préparer un petit porridge ensemble. Je mets pas full châtaigne, je mélange avec des flocons d'avoine. Alors là, ce ne sont pas simplement des flocons d'avoine classiques, c'est le mélange de quasi-domi. Donc il y a flocons d'avoine, flocons d'orge, de seigle et de blé dans ce mélange. Donc comme ça, ça permet un petit peu de varier les apports. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Et j'ai trouvé aussi les flocons de châtaigne sur quasi-domi. Moi, en général, je mets 50 g de flocons et en gros 100-150 g de produits laitiers. Du coup, c'est parti. Je pèse. Je pèse, les gars. Je vais mettre 30 g de châtaigne et le reste en flocons. Voilà, on a 50 g de flocons. J'ajoute souvent un petit peu d'épices, un petit peu de superfood. Donc là, moi, je mets un petit peu de cannelle de chez Nomi Épices, qui sont des épices... Mais ah putain, la tuerie. J'en mets très peu, du coup, parce que j'ai acheté des épices de qualité pour essayer d'un petit peu mieux prendre conscience du vrai goût des choses, parce qu'à acheter des trucs Ducro ou des merdes comme ça, on n'est pas rendu. Et là, j'ajoute un petit peu de maca. Après, j'ai toute la gamme de chez Kiki Health, donc je rajoute toujours plein de trucs. Moi, en général, je mets une sorte de cuillère à soupe. Voilà. Moi, la maca, c'est le seul superfood que je trouve bon, en fait, en goût. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais moi, je trouve ça très bon. Donc, ça me dérange pas d'en ajouter dans mes trucs. N'hésitez pas à ajouter des épices différentes pour un peu varier les goûts ou d'ajouter des fruits ou ce que vous voulez. Je vais mettre ça dans une casserole. C'est vrai que moi, en général, je fais des overnight porridge. Je mélange les flocons la veille au soir avec de l'eau, souvent, et je rajoute soit du yaourt végétal ou soit je me fais à côté un chocolat chaud au lait végétal pour pas me faire la caisse de produits laitiers, entre guillemets. On a même plus le droit d'appeler ça des produits laitiers, maintenant. Et donc, je laisse reposer une nuit, et puis du coup, les flocons se gonflent, en fait, pendant la nuit, ce qui est plutôt pas mal comme technique. Et en plus, ça fait moins monter l'index glycémique, parce que le fait de chauffer les éléments, apparemment, ça fait monter l'index glycémique, et après, je suis pas ultra calée. Pour tous les conseils de bouffe, alimentation, tout ça, allez voir la chaîne de Anne-Sophie Pasquet, le carnet d'Anso, qui fait ses études de naturopathie et qui propose plein d'astuces food très sympas. Allez hop, on met 100 g de lait, on verse les flocons avec les petites épices, et puis on va faire chauffer tout ça sur les plaques chauffantes. Une fois que vous avez atteint la consistance que vous voulez, que ce soit un petit peu crémeux, ça peut rester un petit peu flotteux si vous voulez, vous versez ce petit dégueulis dans un bol et vous accompagnez ensuite de ce que vous souhaitez. Soit des petits morceaux de fruits, de la compote de fruits, vous pouvez rajouter de la purée d'oléagineux, c'est super bon aussi. Rajouter des petites pépites de chocolat. Vous auriez pu aussi rajouter à la place de la cannelle de la vanille. Moi, je ne l'ai pas fait parce que là, mon lait végétal, il est déjà assez parfumé, je le trouve très bon. Donc, il n'y a pas besoin, mais sinon, n'hésitez pas à varier un petit peu les goûts. Voilà, moi je trouve ça quand même appétissant, vous. C'est tout doré. Oui, c'est ce lait végétal-là que j'utilise en ce moment, que j'aime beaucoup. Il est très très bon. Et en topping, je vais rajouter des petites lamelles de poire. Je vais mettre une cuillère à café de Vego, parce que je suis gourmande. Et puis des éclats de noix de pécan. Et voilà, et ça c'est vraiment le petit déj du kiff. Donc je vous invite vraiment à le tester chez vous, même si vous n'avez pas de flocons de châtaigne toastés, faites-le avec des flocons d'avoine tout simplement, c'est ultra bon aussi. Mais pour varier un petit peu, quand ça fait comme moi des années que vous consommez des flocons d'avoine, c'est cool pour varier un peu les goûts. Et passons au favori suivant. Passons maintenant à la mode, et comme vous le savez, moi je suis pas très mode éthique, j'ai un petit peu de mal, quoique j'ai découvert une marque que je kiffe bien, mais je pense que je vous en parlerai prochainement. Quand la marque Organic Basics m'a proposé de m'envoyer un ensemble de sous-vêtements, là je vous avoue que ça me parlait vraiment, dans le sens où je pense que c'est quand même assez important de faire attention à ce qu'on met sur ses parties intimes, puisque moi perso j'ai toujours acheté genre chez Undies, chez Etam, et tout ça. Encore Etam, je pense pas que ce soit les pires, quoique j'ai pas regardé les compos. En fait, ce que j'ai kiffé chez Organic Basics, c'est que t'as vraiment le choix entre les matières, et surtout tout est hyper expliqué sur le site internet, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez vraiment décortiquer un peu. En
fait, quasiment tous les sous-vêtements sont disponibles en 5 matières différentes, il me semble. Tu peux vraiment choisir ton camp. Je sais que le polyester recyclé est un peu décrié. Je vous mets l'article de la blogueuse Is No Good qui a une réflexion à ce sujet dans la barre d'infos, ça peut vous intéresser. Et ce qui est cool, c'est que cette marque permet de choisir entre plein de matières. Donc tu peux choisir du polyester recyclé, tu peux choisir du coton 100% bio, tu peux choisir du Tencel, je sais pas comment on dit, qui est une matière à base d'eucalyptus. Donc forcément, ça coûte plus ou moins cher, mais tu peux justement choisir en connaissance de cause et en fonction de ton budget. Et ce qui est super bien fait sur le site, c'est que chaque matière a une page dédiée qui t'explique l'impact écologique, la dépense énergétique, la dépense en eau de chaque matière. Et du coup, tu peux vraiment choisir ton camp en fait. Donc moi, comme c'était vraiment pour faire attention aux matières qui étaient en contact avec mes parties intimes, j'ai choisi pour le moment uniquement du coton bio et le Tencel, donc qui sont les deux matières pour moi les plus nobles. Donc le coton bio étant noble mais assez gourmand en eau au niveau de la fabrication. L'eucalyptus étant déjà beaucoup plus raisonnable, je crois que c'est un peu le best du best l'eucalyptus, mais forcément c'est plus cher. Donc voilà, faut faire un mix. Donc personnellement j'ai acheté un lot qui te permet d'avoir la petite brassière que je porte actuellement, plus deux culottes assez classiques, donc en coton 100% bio, donc ça c'est nickel, je vous mets le lien de l'ensemble dans la barre d'infos. Et j'ai pris en plus deux strings couleur chair qui sont en coton. Et j'ai aussi pris deux lots comme ça de petites chaussettes vraiment à mettre dans les baskets et qui ont la gomme à l'intérieur du talon qui permet d'éviter que ça se casse dans ta chaussure. Bon, ça se casse quand même un peu, hein, soyons francs. Mais en tout cas le produit est bien fini. J'ai aussi acheté le lot de 10 chaussettes en coton, donc j'espère qu'elles vont être plus durables parce que ça c'était le deuxième problème. Les chaussettes, j'essayais de les acheter de meilleure qualité récemment parce que moi j'ai l'impression d'en faire une consommation mais excessive. J'achète toujours des chaussettes de merde genre chez Auchan, le truc le plus simple, le plus à mon avis pourri possible, mais voilà, je trouve qu'elles me duraient pas longtemps. Donc j'ose espérer qu'avec des chaussettes de meilleure qualité elles vont beaucoup plus durer dans le temps. Ça je pourrais vous en faire un retour que malheureusement dans quelques mois et pas dans l'immédiat. Donc la marque m'a donné un code promo que je vous mets dans la barre d'infos, et s'il y a des produits qui vous intéresse sur cette marque et que vous souhaitez rémunérer mon travail et ma création de contenu, je vous invite à passer par le lien qui est dans ma barre d'infos puisque c'est un lien affilié. Donc c'est-à-dire que je toucherai un pourcentage de votre commande et c'est transparent pour vous. Donc vous ne dépenserez rien de plus, mais ça vous permet de rémunérer mon travail si vous l'appréciez. Et je vous remercie pour ça. Nous allons voir le film Ad Astra, qui est un film de James Gray, donc avec entre autres comme acteurs Brad Pitt, Liv Tyler et Tommy Lee Jones, rien que ça. Donc c'est un film de science-fiction qui est ultra bien noté, je vais vous lire le pitch. L'astronaute Roy McBride s'aventure jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine et notre place dans l'univers. Alors la critique est dithyrambique sur le film. Je dois reconnaître que je connais très peu le travail de James Gray, je suis complètement passée à côté. Il me semble que j'ai vu, mais d'un œil, et j'étais absolument pas concentrée, j'avais vu La Nuit nous appartient il me semble, mais alors je n'ai aucun souvenir du film et pourtant il a d'excellentes critiques. Il a aussi fait le film Two Lovers qui est super bien noté. Mais voilà, je ne suis pas du tout une connaisseuse de l'œuvre de James Gray. Et par contre, j'aime beaucoup tous les films de science-fiction et voilà, les films qui se passent dans l'espace. Bon, pas tous, hein, parce qu'il y a des grosses merdes. Mais en tout cas, comme c'est toujours très joli en général et quand il y a un super scénario, ça fait souvent une bonne pépite cinématographique. Donc j'ai vraiment hâte d'aller découvrir ce film et je vous fais un petit débrief après. C'est très ASMR. Je sais pas si t'as remarqué, on entend très très souvent son souffle. Moi j'avais un voisin à côté de moi qui respirait hyper fort d'ailleurs, je sais pas si tu l'entendais. Ah, c'était horrible, j'avais Dolby Surround Stereo. J'ai bien kiffé l'exactitude de certains trucs, genre pas de son dans l'espace, ça c'est cool. Ouais. Par contre, il y avait des trucs pas crédibles de ouf. Parfois, il y a des trucs, il y a des trucs vraiment pas crédibles. Oh là, ouais, c'était abusé. Ça m'a fait rire quoi. Il y a quelques lois de la physique qui ont été bafouées. Mais des trucs tout bêtes comme pas de son dans l'espace, les explosions, on les entend pas, tout ça, un peu comme ce qu'on a vu dans Gravity. Ouais. Ça c'est cool. Fou visuellement que Gravity quand même. Ouais, c'est moins. Après faut pas les comparer, c'est con, c'est comme quand on comparait Solaris, machin, quand Gravity est sorti, mais. C'est moins fou que Gravity et on peut pas trop les comparer. Enfin, il y a des petits trucs quand même de comparaison. Hein.
il est souvent lâché en apesanteur et tout, donc il y a quand même. Mais il se balade quand même vachement dedans, comme s'il était dans l'océan, quoi, non ? Est-ce qu'on peut se balader comme ça, là ? Ah non, 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 tu. Bah, dans, il faudrait dans... qu'il nage, quoi, enfin, ouais, il va fait, où il veut, c'est bizarre. En 0G, tu peux pas prendre tes appuis comme ça, comme il fait, quoi. Il faut des rétropropulseurs pour pouvoir changer de direction. Tu peux pas changer de direction en apesanteur. C'est impossible. Enfin, ou alors, j'ai loupé un truc, quoi. Certaines chutes ou impacts qui sont pas physiquement possibles. Ce qui serait réduit à l'état de bouillie, sinon. Mais du coup, par rapport à Gravity, c'est vrai que ça fait moins réel, quoi. Il y a quand même eu des scènes où j'étais hyper tendu, quoi. Il y en a eu. Déjà, ça commence fort. À la toute première le scène, début du film commence hyper fort et ultra tendu. Mais c'est ça, moi, je reste quand même vachement sur ma faim avec ce film parce que à la fois, t'as eu des scènes de tension. Déjà, il commence sur les chapeaux de roue. Et après, moi, je trouve que ça fesse au fur et à mesure, en fait. Je m'attends à beaucoup en lisant le synopsis. Je m'attends à beaucoup à l'entrée du film. Puis, au fur et à mesure, ça, je trouve que ça digresse vers un scénario plus classique que ce à quoi je m'attendais, quoi. Bah, c'est parce qu'au tout début, il est obligé de poser son personnage comme un mec ultra, ultra froid, ultra professionnel. Ultra balèze, vraiment sûr de lui, qui y arrive même dans les pires situations. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est obligé de faire une scène grandiose comme ça avec un mec qui garde son sang-froid. Ouais, pour capter, pour cerner moment. Le gars, mais bon. Mais du coup, ouais, mais moi, ça m'a direct pour le personnage. Reste, pour le reste, ça m'a déçu. Pour la suite, ça m'a déçu. Mais au final, tout du long, il reste quand même ce personnage assez professionnel. Enfin ouais, je pense que ça dessert un peu la suite du coup. Je suis quand même déçue. Non mais c'est beau quand même. Non non, mais j'ai passé un bon moment, mais en fait pendant tout le film je me suis demandé quand est-ce que ça allait briller. Après c'est un parti pris, mais je pense que j'étais biaisée, tu vois, par le... Je m'attendais à autre chose. Je dis pas que le film est raté ou mauvais, mais en fait c'est parce que je m'attendais à autre chose et du coup j'ai été un peu déçue. Ouais, c'est un peu ça, s'attendait à autre chose. Moi James Gray m'a toujours pas convaincu du coup. Faut que je mate La nuit nous appartient. La nuit nous appartient, ouais. Faut que je vois ça et puis bah tout Lovers, même si ça me passionne. Pareil, pas y a un c'est un problème de famille, La nuit nous appartient, tu verras. Okay. C'est un problème avec le père et le frère. C'est très cool. Place maintenant à la beauté, parce que ça fait maintenant quelques semaines que je teste un produit de la marque Novexpert et voilà, c'est une marque que je découvre. Il y a pas mal de trucs que je teste en ce moment de la marque puisqu'ils l'ont renseigné chez Mademoiselle Bio et du coup j'ai eu l'occasion de tester les produits. Et bien ma foi, c'est pas mal du tout. En fait, j'ai testé pendant un temps la brume Trio Zinc et j'aimais beaucoup le contenant et le côté vraiment brume diffuse que le packaging faisait. Donc là forcément il y a du zinc, c'est pour peau imperfection, donc elle est purifiante, m'apaisante, j'adore. Donc elle est purifiante, matifiante et apaisante, donc c'était plutôt pas mal, mais je voulais pas partir sur un truc trop matifiant. Et vu que je suis à fond dans une routine qui mise sur l'hydratation et plus la nutrition, je suis à fond dans tout ce qui est acide hyaluronique, dans tout ce qui est sérum, même à base de miel et beaucoup moins d'huile pour mon visage, et ma peau se porte plutôt bien. Là j'ai pas de maquillage à part de l'anti-cerne. Et je voulais tester la version brume hydrotonique. Donc la voici, je l'utilise depuis quelques semaines, je la kiffe bien. Par contre, je suis un petit peu déçue du packaging parce que je m'attendais à la même diffusion que l'autre. Et en fait, pas du tout. Malheureusement, le produit est beaucoup plus petit et il n'y a pas le côté brume diffuse que j'appréciais chez l'autre. Mais on reste sur un super produit. Donc, il y a de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera dedans. Moi, c'est tout ce que je demande à des lotions. Je veux qu'elles soient vraiment hydratantes et qu'elles soient enrichies souvent en aloe vera et en acide hyaluronique. Et là, il y a les deux. Donc, c'est nickel. Elle est 100% d'origine naturelle. Donc, ça, c'est quand même assez rare qu'il y ait 100% d'ingrédients d'origine naturelle dans un produit. C'est une marque qui est fabriquée en France et qui a une approche très pharmaceutique en fait de la cosmétique naturelle, ce qui change un petit peu, il y a des jolies formulations qui sont très intéressantes. En revanche, même s'il est probablement naturel, je regrette un petit peu la présence de parfum parce que je trouve que le produit pue, enfin c'est un peu le truc des toilettes. Enfin moi j'ai été très déçue quand j'ai appliqué cette brume, je m'attendais à un truc très frais, une odeur assez neutre et il y a vraiment du parfum qui est assez présent et je le regrette un petit peu. Mais outre l'aspect olfactif, je suis en kiff sur les résultats de cette brume. J'utilise en ce moment uniquement ça et un petit peu de la gelée toujours à canne qui a changé de packaging et qui est maintenant dans un flacon pompe, ce que je trouve très sympa. Donc en ce moment j'utilise que ça et juste quand je me fais des masques un petit peu pour nettoyer plus ma peau, là je mets une goutte d'huile mais c'est
c'est tout. Donc je mets quasiment une goutte d'huile une à deux fois par semaine, donc rien du tout. Et sinon à fond hydratation. Donc si jamais vous avez des problèmes de peau et que comme moi vous souffriez d'acné mais qui en fait était dû à des problèmes de sécheresse de peau et non pas à cause d'une peau trop grasse, franchement ça peut être intéressant d'expérimenter un peu ce côté là parce que moi là en ce moment ça me sauve pas mal la peau, donc j'attends encore un petit peu pour vous faire un retour plus précis, peut-être une routine ou je sais pas. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle de ma nouvelle routine parce qu'elle est un petit peu chelou. Donc voilà un peu pour mes favoris du moment, c'est très minimaliste, je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos si vous souhaitez les tester. Autre petit plaisir du moment, je reviens de chez Urban Outfitters où j'ai acheté ce t-shirt. Et au moment de payer, j'ai complètement craqué à la caisse puisque je suis tombée sur ça. N'est-il pas magnifique? Je suis extrêmement contente puisque je suis une grande fan des picture discs. Donc tous ces vinyles qui ont une image qui est imprimée dessus, c'est trop beau, j'adore ça. Bon alors j'étais une grande fan des Spice Girls quand j'étais gamine et j'aime toujours beaucoup écouter de temps en temps. Et clairement quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu résister. Donc on va découvrir ensemble la beauté du truc. Bon, il y a un insert, je suis un peu deg parce qu'il n'y a pas les paroles. Il y a elle maintenant et oh là là, il est trop beau. Derrière, il y a toutes les petites photos que je connais par cœur puisque j'avais l'album photo où on achetait les impressions photos pour les ranger dans un album comme si c'était notre album de famille, quoi. Énorme. Putain, il est magnifique. Bon alors là, scandale, je vais tège le vinyle de Frank Carter pour mettre celui des Spice Girls. Ça n'a aucun sens. My precious time. C'est un petit kiff quand même. Parce que moi j'ai les cassettes audio, j'avais pas les CD à l'époque, c'était la fin des cassettes. Et je les ai toujours d'ailleurs, il faudrait que j'aille les retrouver, je vais vous les montrer. J'avoue que ce qui est ultra frustrant, c'est que je ne connais aucune parole par cœur, parce que comme j'avais littéralement 8 ans quand j'écoutais les Spice Girls, c'était du yaourt, full yaourt. Et je pense que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent vachement mieux, ils doivent regarder des chaînes YouTube ricaines, ils doivent regarder plein de trucs, et maintenant même toutes les séries sont dispo en VOST, et nous à l'époque, pas du tout quoi, on n'avait pas du tout le choix de ces versions-là, donc ça c'est quand même un point super positif je trouve, meuf qui dévie pas du tout. Cette vidéo va durer 1000 ans. Donc je vous avoue, je suis contente de l'avoir en vinyle maintenant. Bon alors là, le groupe, bon, c'est de la nostalgie et tout. Mais sinon, moi, comme j'ai envie de soutenir mes groupes favoris, je vais avoir tendance à acheter leur vinyle ou à acheter des t-shirts. Alors là, c'est absolument ridicule parce que j'ai un t-shirt et un vinyle de groupes qui sont morts, littéralement pour eux. Mais c'est pas drôle du tout. Mais sinon, c'est vrai, voilà, pour Frank Carter, j'ai acheté des t-shirts, j'ai acheté des éditions limitées. Pour Liam Gallagher aussi, j'achète le vinyle. L'idée, c'est vraiment de soutenir mes artistes favoris parce que voilà, le monde de la musique est un petit peu difficile en ce moment, comme beaucoup de milieux d'ailleurs, et aussi de les soutenir en allant au concert, ça c'est super important. Parce que je crois que vraiment pour bien rémunérer ces artistes, c'est surtout en concert qu'ils touchent un cachet qui leur permettent de vivre, parce que sinon je crois que les albums, c'est pas grand chose, hein, c'est pas la folie. Voilà, c'était mes petits kiffs du moment, un petit peu variés. J'essaie de vous faire un format différent au jour le jour pour que ce soit un peu plus dynamique. J'espère que ce sera pas trop bordélique et que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut! Some kind of superstar.